Deuxième séance. Ouais, voici Captain Fleur, et c'est comme son nom de champion, même si on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Clash of Clans. Avant de commencer ceci, laissez-moi vous expliquer pourquoi ça fait une semaine que je fais pas de vidéo. Eh oui, ça fait une semaine que je ne produis pas du tout. Produit plus ou moins tout court. Voire je suis sur autre chose complètement. Ceci est la vérité. Parce que en ce moment, pour le mois de novembre, tout court, je pense que je risque d'être moins actif. Ça, c'est pas volontaire. J'ai un manque de temps. Manque d'intérêt. Bon, je sais pas quoi faire nécessairement. Je vais être honnête avec vous. Je ne sais pas trop quoi faire. Ça ne tente pas de faire de vidéos, des fois le montage. J'ai certaines vidéos que je veux faire, mais que ça ne me peut pas le faire parce que ça me décourage. Continuer une série en particulier, mais c'est tellement compliqué de faire ça. Plutôt ça me décourage, dans le fond. Puis ça me tente de faire autre chose, être plus productif sur autre chose. Mais là, en ce moment, je suis aussi sur autre chose. Ok, ça fait beaucoup d'autres choses. Mais les autres choses, c'est d'autres projets que je sais que je veux construire. Mais depuis le mois de novembre, début novembre, parce qu'on est en novembre encore, depuis le début novembre, je suis parti sur un autre projet que je vais vous en parler davantage à la fin du mois. Dans le fond, le projet, qu'est-ce que c'est? C'est un concours. Ça, je peux vous le dire, parce que ça n'entend pas vous le dire c'est quoi le concours. Pas tout de suite. Dans le fond, ce concours, c'est un concours dont j'ai un mois à le faire. Quelque chose. Le quelque chose, vous allez le savoir à la fin du mois. C'est sûr que j'ai jusqu'au 1er décembre pour remettre ce projet. Qu'est-ce que c'est? Vous allez le découvrir en temps et lieu à la fin du mois. Disons peut-être quelques jours avant, probablement. Mais inquiétez-vous pas, je vais vous en parler. C'est aussi à cause de cette raison à laquelle que je suis pas productif pantoute sur ma chaîne. Que voulez-vous? C'est des choses qui arrivent. Mais tout ça, je vais vous en dire davantage. Et autre chose, il est bien écrit bonus. Clash of Clans, bonus. Pourquoi? Bon, il est encore dans le spécial de Halloween, jusqu'au bout, là. Justement. Nous sommes encore dans le spécial Halloween. Les mises à jour font pas rapide. Disons, après Halloween, il nous fait profiter de la mise à jour Halloween, dans le fond. Non, juste pour vous dire, je suis. Et j'ai pas bien amélioré quoi que ce soit parce que je suis en rush de rempart. Je suis en train de tout améliorer mon rempart. Ça va faire du bien un tout petit peu. Autant j'utilise complètement 100% mes ressources en rempart. Ici, c'est pas la même affaire parce que 4,2 millions. Plus lui, c'est 3,6 millions. Une tour d'archer. Ce sera les quand je vais y arriver. Je vais dépenser 400 000 pour des remparts pour ceci là. Ça, améliorer 20 pièces de remparts dans le village. C'est vrai que j'aurais pu. Vu que je suis en amélioration. Bon, c'est sûr que j'aurais pu faire ça, mais c'est pas grave. Faites, c'est fait. Je suis en train de m'en débarrasser. Ça, c'était moins cher. En même temps, ça me donne une raison d'améliorer les remparts de ce côté-là. Dans le fond, c'est à peu près ça. Le bonus, qu'est-ce que c'est? C'est que je vous donne de quelque chose. Pour tous ceux qui veulent participer au concours, participer, code de validation ou non, je m'en fous. Le code de validation, je vais vous dire où est le code de validation. Dans le fond, si vous regardez une des deux vidéos, quand je dis pour savoir le code, il faut l'écouter la vidéo au complet. D'une certaine façon, ça peut être une énigme. Au début, c'est pas ça que je pensais, il y a peu que j'ai pensé à ça. Bon, ça peut être une énigme. L'énigme, c'est jusqu'à la fin. Fin! Parce que
code de validation, vous pouvez aller le vérifier vous-même. Il est à la fin, littéralement. En bas, à la fin. Donc, le voilà. Le code de validation. Si vous mettez un autre, vous mettez n'importe quoi, je vais l'accepter parce qu'il n'y a pas beaucoup assez de descriptions. Alors, je vous laisse la chance. Vous avez 5 jours pour vous inscrire. Le 14, je vous fais faire une vidéo juste pour ça. Il va être supprimé, celle-là, par contre. Puis, je vais tirer le gagnant. Et j'y vais. Désolé du retard, vraiment. Tellement trop de choses que en même temps, que si je veux tout faire en même temps, c'est impossible. Que voulez-vous? C'est des choses qui arrivent. Tout le monde finit par avoir un manque de temps. Oubliez pas, je travaille à temps plein. Faut se dire que beaucoup de temps est consacré au travail. 100%. Mais voir vu que sont souvent mal foutus, les dépannes, souvent. Qui veut dire dépanner, qui veut dire aussi faire des sacrifices et avoir moins de temps encore pour la chaîne ou mes autres projets. Que voulez-vous que je dise? Les amis, on finit tout par passer par là. Ça ne tente pas d'arrêter YouTube, ça je vous le garantis tout de suite. Mais ma productivité en prend un coup, qu'on comprenne. C'est pas mon intention, mais c'est ce qui arrive. Mais je reste pour faire moins de vidéos, comme je vous dis, pour avancer dans pour le concours, là, le projet du concours. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez que ça peut être? C'est pas le fun, mais je vous répondrai pas. Je veux savoir vos commentaires, juste pour le fun. Qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait être le concours? Mais je ne vous répondrai pas. Je vais vous répondre oui. Vous le dire la réponse à la fin du mois. J'ai un mois pour faire ça, puis j'ai perdu. J'ai perdu bien du temps. Je me demande si je vais réussir à terminer ce que j'ai à faire à bon temps ou à bon temps. Le passé, j'ai constaté, je voulais participer, mais j'ai constaté. J'ai rien fait, moi. C'était plus de la moitié du bois. Là, j'ai commencé, là. Le projet, là, c'est plus de la moitié du bois, c'est. Je vais abandonner, là. J'avais rien fait. Et au moins, je vais avoir fait un minimum. Je n'abandonnerai pas. Cette fois-ci. Moi, je trouve que c'est court comme délai. C'est volontaire. La refaire est très volontaire. J'ai trop l'habitude de préparation mentale, comme vous pouvez voir. J'ai trop l'habitude de faire ça. Enlever. Et repartir. Ça va plus vite. Dans le fond, qu'est-ce que je fais, c'est surtout quand c'est un rush,
comme ça. J'ai pas mes troupes, tant qu'il y a aussi longtemps que ma machine de combat est encore active, je ne quitte pas, je continue. Dès que ma machine de combat est plus active, j'enlève Clash of Clans tout court et je le repars. Ça m'emmène ici, puis c'est plus rapide, je trouve. Des fois, ça, c'est très bénéfique, des fois, ça donne comme en ce moment, j'attends quand même. Ah oui! Quand même quelques améliorations que j'ai faites. Archer niveau 18. J'étais-tu niveau 60 la dernière fois que... Dans la dernière vidéo, je sais plus où j'étais 59 plus. Je sais plus. Je monte quasiment pratiquement à chaque fois. De niveau. J'ai amélioré mon aigle artérieur. Un fond, pourquoi ça? Ouais, c'est ça. Ça, c'est après. Parce que vu que j'avais complété, ça donne 5 millions. Puis, quand même 50 millions d'élixirs noirs. J'ai amélioré ma reine des archers. Là, la prochaine amélioration qui va être, ça va être pas mal solo. Même si c'est moins cher, je vais prioriser les troupes que j'utilise le plus. Une partie des troupes. Je veux dire sorcière. Pas encore. Juste combien de temps? 24 secondes. Puis j'en ai profité. Il manquait. J'ai utilisé des gemmes. Pour ça, c'est rare que j'en utilise. Ça paraît pas, hein. Vous regardez le nombre de gemmes que j'ai. Je suis à 19 565. Je risque de faire une petite vidéo spéciale à mes fins. 20 000 gemmes. Pour le fun. Juste pour que ça se sache. Quel fou qui va faire... qui ferait la même chose que moi. Pour gaspiller ses gemmes puis n'avoir... des milliers... être riche en gemmes puis rien en faire. Quel fou qui serait si fou pour faire... Plutôt quel... qui serait si fou pour faire ça du moins. Pas quel fou, mais qui serait si fou pour faire ça. Ah, vous en avez un. Moi. Justement, moi, je suis vraiment assez fou pour certaines choses que vous pensez même pas. Donc ça, garder mes gemmes puis pas les utiliser. Il y en a qui rêveraient avoir le nombre de gemmes dans le fond. Ouais. Vous avez eu le même nombre de gemmes que moi, voire certains plus. Je vais juste toujours utiliser pour rentabiliser le tout. Pour aller plus vite. Quand c'est moi qui garde. Ah bon, c'est ça, j'utilise les gemmes pour. S'il me manquait un million ou deux, quelque chose de même. Puis j'ai utilisé 5 cubes gemmes pour pouvoir justement. Là, j'aurais quitté il fait longtemps. Là. Pour pouvoir, comment dire ça? Avec tout accumulé, puis rien gaspillé comme ça. Non, je suis en train, j'ai utilisé 100 quelques gemmes. J'ai utilisé 100 quelques gemmes pour pouvoir améliorer mon aigle artérieur. Hein, par défaut. Tant mieux, mais ça, vu que je coupe pas ça. C'est ça que ça donne. Fertilité. Quand je dis je rush. Si je rush pour de vrai, là, pas à moitié. Là. En vidéo, je le fais pas. Mais. Parce que ça fuckerait la vidéo. D'ailleurs.
Puis en plus, le bombardier, c'est ça qui est en amélioration en ce moment. Après ça, ça va être le géant. Après ça va être du moins cher ou plus cher. Puis pour qu'est-ce qui est de... Du bâtiment. Je pense que j'ai amélioré une tour d'archer. Ouais, c'est ça. J'ai amélioré cette tour d'archer là. Pas mal ça, je pense. Sinon, je m'en souviens plus qu'est-ce que j'ai amélioré. J'en ai amélioré des choses quand même. Peut-être les pièges sont améliorés. Ça, mes pièges sont. J'aurais dû les améliorer comme ça. Comment ça coûte cher, hein? Malgré ça, ça va être le niveau maximum. C'est ton maximum, ça fait que je le fasse. Ok, ça va. Je serai au niveau maximum. Presque tout. Mais rendu là, Rendu là, ça coûte cher. Si tu fous que je suis en retard. Non, mais mes affaires. Je suis en retard d'une journée. Là, je vais être à jour. Sauf si je finis pas. Sinon, je vais être à jour. J'ai pas manqué de journée. Je suis juste en retard. C'est tout. Terminer la bataille là, ça changera absolument rien. Ouais, ça aurait absolument rien changé. À part de rapport. Puis ça aurait été une victoire quand même. Ça va finir là assez rapidement. Pourcentage de plus. C'est un peu vrai, hein? Ah, 777 qui va se faire. Ah, oui! C'est moi qui va se faire, oui. C'est moi qui s'est fait avoir folie. Alors, pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette aventure. Et c'est pas à rejoindre de mon équipage sur le navire de l'Est, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet dans les liens sur la chaîne YouTube, vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord. Donc tout le monde est bienvenu, alors pour ça je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Alors pour ça je vous dis merci à tous,